Hello, hello. Comment ça va? Vous m'entendez bien? Est-ce que niveau son, on est bon? Hello Laolix, comment ça va? Niveau image aussi, c'est parfait, non? Enfin, j'espère. J'ai souvent des bugs en ce moment, mais normalement, ça devrait être parfait. Ouais, je suis sur OBS. Mais la dernière fois, c'était pas moi qui buguais. Mais j'espère, ouais, on va tester ce soir, j'espère que ça le fera. Mais normalement, ça doit le faire. Je vois, niveau de connexion, on est pas mal là. Donc ouais, d'ici 2-3 minutes, je vais ramener Olivia. Donc on va parler un peu parcours tech, reconversion. Quotidien du dev, tous ces petits trucs-là. On a déjà fait le podcast ensemble, mais je me suis dit, on va faire le Twitch, ça peut être pas mal. Hello Tonka, comment ça va la forme? Passez un bon dimanche. Dimanche fatigant avec les enfants. Bah force pour la formation, courage, force et repose-toi bien. Il est quelle heure là? Il est 20h10, ouais, 20h10, 20h12, on va commencer tranquillement. Ah, vraiment du courage, donc faut pas lâcher. C'est formation de quoi? Dev? Hello SNGMB. Merci à toi d'être venu pour le live. Ça fait plaisir. J'espère que tu reviendras si c'est le premier live. Ah, parfait. 9 mois initial plus alternance. Franchement, c'est le format parfait. J'espère que tu vas t'amuser. Tu vas kiffer. L'alternance pour l'expérience, il n'y a vraiment rien de mieux. Bon, il est 20h12. Il est 20h12. Fais un réglage du chat.
Cadatec à Lyon. Parfait. Je cherchais Olivia et on va commencer, hein. Hello, hello, Olivia, est-ce que tu m'entends? Hello. Oui. J'espère qu'on t'entend aussi en live parce que j'ai souvent des problèmes. Ok, j'ai ça longtemps. Je vais demander au live, est-ce que vous entendez bien Olivia, hein? Là, c'est le piège, c'est pas comme le podcast où je peux traficoter. Il y a écho sur Merde. Olivia. Il y a un écho. Attends. Peut-être que non. C'est pas du tout. Petit écho, mais pas dérangeant. Bon, je pense que ça va le faire alors. Bah, franchement, j'ai pas trop de choix. Enfin, j'ai pas d'autres micros, y'a rien donc. Ouais, mais je pense que ça va le faire. Si on met petit écho, mais pas dérangeant, je pense que ça le fait. Parce que la dernière fois, bah, moi, on m'entendait très mal. Et voilà. C'est pas passé. Mais... C'est bon. Bon, on va commencer. Let's go. Donc, ouais, aujourd'hui, je reçois bah, Olivia. Olivia avec qui j'avais fait un. Si vous êtes assidu, j'avais fait un podcast avec Olivia et on se retrouve bah, ce soir sur Twitch. Je me suis dit. Je reprends les mêmes personnes avec qui j'ai commencé le podcast et on relance la même chose sur Twitch. Et bah, elle nous a fait l'honneur de venir et tout. Bah, du coup, est-ce que, pareil, tu peux te présenter rapidement, Olivia? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, je suis développeuse front-end depuis 1 an et demi en CDI. Et avant ça, j'ai fait une formation, un bootcamp de 6 mois, un truc comme ça. C'était une reconversion parce qu'avant, j'étais dans le juridique. Voilà, et sinon j'ai un blog où je partage des articles et je fais aussi du mentorat pour aider surtout les personnes qui sont en reconversion dans le dev ou qui passent par des formations courtes comme moi j'ai pu faire. Ok, donc ouais, dans le droit avant. Et enfin, tu faisais quoi exactement dans le droit? Bah, j'ai fait des études de droit et en parallèle j'étais assistante juridique pendant mes études et du coup ça m'a permis de découvrir le métier. Et en plus, j'étais en lien avec d'autres personnes, enfin, d'autres métiers du droit, donc des notaires, des avocats, voilà, tout. Et j'ai vu qu'aucun ne me plaisait. Après le droit. Ouais, et du coup, quand il y a eu le Covid, j'ai arrêté mes études. J'ai arrêté mon travail aussi, et c'est là que j'ai commencé ma reconversion. Ok, mais du coup, c'est pas, enfin, quand tu passes du droit vraiment à ce qui est, on va dire, vraiment littéraire, à l'info, y a pas, enfin, tu vois pas un maxi fossé, genre, tu te dis pas, j'ai envie de faire du dev, mais j'ai pas les capacités ou c'est pas dans mes cordes, non? En fait, je connaissais pas du tout. Ouais. J'ai découvert vraiment par hasard tout ce monde de l'informatique en général, j'y connaissais rien. Le métier de dev, je n'avais jamais entendu parler de ma vie. C'était hyper éloigné de ce que moi je faisais. Donc, j'ai fait des études littéraires, même au lycée, c'était L. Donc, j'ai vraiment aucun rapport. Et du coup, quand j'ai découvert ça un peu par hasard, bah, ça m'a tout de suite plu. En soi, c'est éloigné, mais j'ai toujours eu je sais pas, une façon de penser un peu logique, on va dire. Même dans mes cours de littéraire, en soi, j'avais tendance à faire à écrire un peu des égales, des plus et tout, comme du code. Et du coup, ça m'a tout de suite parlé. C'est un métier où tu peux faire du télétravail, c'est un métier qui est plutôt calme, où tu crées des choses, donc ça reste assez créatif. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a tout de suite parlé. Je sais pas, j'ai tout de suite aimé en fait. Au début, c'était plus une passion, on va dire. Je voyais pas ça forcément comme un métier, c'était juste un passe-temps pendant le Covid. Covid, Ouais. Et ensuite, quand j'ai voulu chercher un nouveau boulot, bah, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, j'ai parlé de cette passion-là et c'était pile le moment où il y avait un gros besoin en dev. Et du coup, bah, on m'a tout de suite conseillé des formations, des trucs. Voilà. ok.
Mais genre, enfin, on va dire que tu découvres un peu ce métier-là, tu es encore dans le droit. Et comment tu fais cette passerelle-là? Parce que, tu vois, c'est pas simple de te lancer dans le dev direct. Ouais, non, en soi, j'étais déjà un peu dégoûtée du droit. Pour moi, c'était un peu fini. Déjà à ce moment-là. J'ai découvert par hasard, mais je cherchais un peu est-ce que je pourrais me réorienter, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, enfin, tous ces trucs-là. Et ensuite, pour faire. Je sais pas, en fait, pour moi, le droit, c'était déjà fini. Donc, j'ai pas eu de truc où je devais vraiment faire une passerelle entre les deux. Et quand j'ai débuté. J'avais le temps en fait, déjà. J'avais énormément de temps devant moi. J'avais le temps de chercher, de regarder de regarder tous les cours sur OpenClassroom que je voulais, de fouiller. Enfin, moi, quand j'ai commencé, c'était par tout ce qui était. Je crois que j'ai commencé par tout ce qui est IA, mais il n'y avait pas encore GPT et tout à l'époque, mais Ouais. du coup, c'était un cours sur l'IA, ce que ça voulait dire juste. Et après, du coup, ça m'a ramené sur Python. De là, j'ai découvert, j'ai passé sur un cours sur les métiers du web. Je suis tombée sur le dev. Ensuite, je me suis dit, ah, ok. ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, ouais, c'est vrai quand tu connais. Enfin, je sais pas si tu connais des gens qui sont dans la tech, mais en général, quand tu connais personne, c'est chaud de se dire je vais faire tel cours d'abord, après tel cours. C'est que tu vois, tu es là sur Internet, tu touches à tout. Bah, c'est ça. En fait, j'avais beaucoup de temps et j'ai découvert vraiment. Petit à petit, en fait. J'ai commencé par des trucs très généralistes, genre des documentaires, des trucs. Au début, ce n'était pas forcément pour en faire mon métier. Donc, vraiment, je lisais juste des informations. C'était juste ça. Donc, je n'ai pas eu ce truc où je me suis lancée direct et je suis tombée devant un mur d'infos. C'était pas du tout ça. J'ai appris petit à petit. J'avais fait une formation sur Python, sur Open Classroom. Et c'est juste après que je me suis dit, ah ok, peut-être faire du web, ce serait plus intéressant pour moi. J'ai vu tout ce côté un peu plus design UX, enfin, tout ce truc Tout que ce qui est j'aime bien dans visu. le compte. Donc c'était petit à petit, c'était pas du coup si intimidant que ça. Et il faut pas oublier que vraiment à l'époque, c'était extrêmement demandé. Genre vraiment tout le monde poussait à faire des formations de dev, même des gens qui. Enfin, qui n'avaient jamais entendu parler du métier et se retrouvaient embarqués dans des formations sur un an. Ouais, c'était ça aussi, c'était que ce n'était pas hyper intimidant parce qu'il y avait énormément de débutants. Beaucoup de gens commençaient à ce moment-là. Ça recrutait, on poussait les gens à aller vers ce métier. Ouais, mais c'est vrai que enfin, moi j'ai commencé un peu avant le Covid. Ouais. Le Covid est arrivé en plein dans ma formation, mais pareil, genre, c'était un moment où tout le monde, on poussait tout le monde dans le dev. Je voulais faire de l'info, tu vois, je connaissais pareil, je connaissais pas les métiers. Moi, je voulais faire n'importe quoi qui était dans l'informatique. Et le premier truc que la conseillère à Pôle emploi m'a dit, c'est fais du dev. Et c'est là que j'ai commencé à connaître le métier, puisque pareil, hein, je savais même pas ce que c'était, moi. Donc, ouais, c'était pareil, un passe-temps. Et au fur et à mesure, c'est devenu une passion, on va dire. Et Ouais. du coup, tu te lances dans le dev un peu à la maison. Et est-ce que enfin, comment tu penses à aller à faire un bootcamp ou une formation plus structurée? Alors, en gros, je commence. Il y a énormément de formations, il y a énormément d'infos, il y a énormément de tout. Surtout à ce moment-là, il y avait une masse de formations, mais énorme. Je savais pas du tout vers quoi aller. Enfin, c'était un peu flou. À ce moment-là, surtout que je débutais et que j'avais aucune idée de rien sur le métier, donc j'étais un peu paumée. J'ai commencé sur Open Classroom parce que c'est le site français, je pense, le plus connu pour le cours. En fait, j'ai commencé à faire des cours chez eux. Les premiers que j'ai fait, c'était chez eux, tout était gratuit. Je me suis dit, ok, je vais faire une formation chez eux. Donc, j'ai payé une formation de. C'était quoi? Je pense que j'avais fait une formation Python premier. Mais c'était pas une formation diplômante. Et voilà. Et ensuite, ce qui a poussé, c'est juste que le Pôle emploi m'a contacté et m'a dit, Madame, qu'est-ce que vous faites? au chômage encore. Et du coup, j'ai dit, je suis en train de me former toute seule sur du dev. Et ils m'ont dit, non, nous, on n'a pas de formation à proposer. Encore une fois, c'était à ce moment-là où ils en avaient énormément. Je crois, une semaine après, ils m'ont envoyé un truc d'inscription, je me suis inscrite à la seule qui m'a proposé. Je pense que j'aurais pu pousser plus loin et faire plus de recherches.
savoir vers quoi je m'embarquais. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, ils m'ont dit, ah, il nous reste, enfin, il nous manque une personne pour cette formation, il faut vraiment y aller tout de suite. Ouais, c'est On vous envoie chaud. dans une semaine. Et du coup, j'ai fait, bah, ok, ils m'ont envoyé, j'ai signé le jour même et voilà. Ah ouais, J'ai commencé. quand Je savais pas ils du ont... tout de quoi il s'agissait. Hein. Ouais, quand ils ont un truc en tête, c'est mort pour leur faire changer d'avis, c'est impossible. Ouais, Bah, pas... après, c'est moi aussi, j'étais pas renseignée en fait. Je pense que si je leur aurais expliqué, ah, je sais pas, bah, est-ce qu'il y a d'autres formations possibles, qu'est-ce que vous me proposez et tout, ils m'auraient peut-être dirigé vers autre chose. Mais à ce moment-là, vraiment, enfin, moi j'ai juste sauté sur l'occasion, ils m'ont dit, bah, il y a ça commence dans une semaine, allez-y. Je fais, bah, ok. J'y connaissais rien, je savais pas c'était quoi exactement bootcamp, enfin, j'avais rien. Comment j'ai commencé, moi je me suis dit, ah bah, ça va être une école, Ouais, je vois. des cours et tout, j'étais vraiment trop impatiente de commencer. Ça faisait déjà un moment que j'étais toute seule chez moi à apprendre. Et c'est après, en fait, une fois que j'étais dans la formation, que j'ai découvert tout ce truc de, ah ok, c'est ça les formations, c'est quoi, c'est ça les bootcamps, ça se passe comme ça. Ouais, c'est vrai que quand t'es pas encore en formation, tu te dis, ouais, je vais avoir un prof, il va m'apprendre et tout. Et une fois que t'es Ah dedans, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est la merde. Tu es obligé de, voilà, t'es obligé de charbonner tous les jours. ouais. Oui, non, mais vraiment, et puis j'avais vraiment aucune idée. Enfin, c'est vraiment, j'ai signé, dans une semaine, j'ai commencé, et on m'avait fait genre un truc de présentation, je crois, au tout début. Donc j'avais vu des profs, des élèves et tout. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée. Je me suis dit, bah, waouh, ça va être comme ça. On aura plein de cours, on va apprendre plein de choses. Je ne m'étais pas encore dit, ah, 6 mois, peut-être que c'est un peu court Ouais, c'est pour ça. apprendre un métier. Et quand ils ont donné le programme, surtout, je ne suis pas. Enfin, sur le moment, je ne m'étais pas trop posé de questions. C'est vraiment après que je me suis dit, ah, ok, c'est ça le système. Ouais, système bootcamp. Il y a juste une personne dans le chat qui demande combien t'as payé la formation. Mais comme tu étais au chômage, je pense que c'est pris en Non, charge. c'était complètement pris en charge, hein, Ouais. vraiment. Non, non, non. J'avais payé ma formation sur Open Classroom. Ah, peut-être c'est celle-là qui... Ouais, à l'époque, c'était genre. Combien c'était? C'était peut-être 200 euros par mois, ce qui est cher. Enfin, ce qui est cher, ce qui est aujourd'hui, je crois, le prix normal pour les formations. Mais c'était cher, je trouve. Et après, non, j'ai plus rien payé du tout. Mais après, Jamais. enfin, tu vois, t'as fait une autre formation avec Pôle emploi. Mais est-ce que, enfin, tu aurais préféré, toi, peut-être faire le truc Open Classroom ou vraiment, non, après Bootcamp, ça t'a, enfin, c'est mieux. Bah, en fait, c'était Open Classroom. Ce qu'ils ont fait, ils savent, c'est t'es tout seul, quoi. Ouais. C'est sous forme de projet. T'as un mentor qui te contacte, tu sais pas sur qui tu vas tomber, et avec qui tu parles une trentaine de minutes, voire moins, par semaine. C'est rien. Tu peux tomber sur des gens très cool qui vont en prendre de tes nouvelles tous les jours et tout, mais c'est très rare. Sinon, t'es vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Et du coup, moi, en fait, faut comprendre que moi, je découvrais le métier, j'y connaissais rien. Là, je voyais, ok, bah, je parle avec un mec 15 minutes dans la semaine, cool. Et quand on m'a proposé la formation, quand on m'a dit, là, c'est vraiment des cours, bon, c'était en ligne parce qu'il y avait le Covid, mais c'est vraiment des cours avec des élèves, des profs et tout. Moi, je me suis dit, waouh, bah, en fait, c'est trop bien, je vais enfin rencontrer des gens qui travaillent là-dedans. Enfin, je connaissais absolument personne. Ouais, mais moi j'ai fait Open Classroom aussi avant de faire un vrai bootcamp et c'est la même chose, c'est que tu vois, t'es tout seul toute la semaine. Si t'as pas Ouais. envie de bosser, enfin si t'as personne en fait pour t'accompagner, ça c'est super chaud. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à faire un bootcamp, hein. Et bah Bah, voilà, oui. on arrive au bootcamp. Du coup, ça s'est passé comment ce bootcamp sur 6 mois? C'était quoi un peu les technos? C'était tu vois, la base, je crois. Ouais, c'est toujours les mêmes, je Ouais, la crois. base, En hein. vrai, même maintenant, je crois que c'est toujours les mêmes. Bah, c'était pour passer le diplôme qu'il y a à la fin de chaque formation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Développeur web, mobile, je ne sais plus Ouais, quoi, là. DWM. C'est ça. Et du coup, je crois que c'est toujours les mêmes technos. Alors, je crois qu'on a commencé par du HTML, CSS. Après, on a fait du JS. Après, on a fait React, Node. Ensuite, PHP, Symfony. Et entre-temps, on a fait un truc de genre gestion de projet, design, Bootstrap.
dans les Ah, semaines. c'est Et, en vrai, c'est une salade. Il y a tout. et à la fin, WordPress. Ok, genre, enfin, tu t'es senti comment? Parce que moi, je sais que pendant pratiquement tout mon bootcamp, je me disais, qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est super chaud dans le sens où ça va trop vite. En fait, j'ai un peu genre déchanté parce que déjà moi ça, en vrai ça faisait déjà genre 2 ans que je passais mon temps à faire des recherches, à regarder des trucs, j'avais fait le truc sur Open Classroom. Avant de m'inscrire à la formation, ça faisait déjà bien un an que j'étais genre à fond en train de regarder des cours, enfin partout. Donc je partais pas de zéro, clairement. Et quand je suis arrivée à la formation, en plus on m'avait dit ouais, faut passer un test et tout pour être admis. Ouais. Waouh, ok, grande école et tout. Et en fait, quand je suis arrivée, tout le monde partait de zéro sauf moi. C'est un peu une ambiance un peu bizarre parce que la plupart découvraient tout juste en fait. Je sais pas, en fait, je crois que quand j'ai commencé, le premier cours c'était genre HTML, CSS, ça durait genre 2 ou 3 semaines peut-être pour mettre un peu les gens dans le Dans bain. le bain, ouais. Et moi, pour le coup, ça, j'avais déjà fait depuis un bon moment. Donc, j'étais là, bah, ok, T'attends un peu les gens là. ça va. Ouais, je voyais en plus que tout le monde galérait énormément. Et moi, je savais ce qui attendait après. J'avais déjà commencé JS et tout, et je me disais, mais ça va Ouais, être. ça va être long. Comment on va faire, en fait? C'est presque impossible, là. Si, genre, au bout de 2 semaines, eux, ils découvrent encore. Comment on va faire pour la suite? Et aussi, le premier prof, je pense pas qu'il était dev, honnêtement. Je pense peut-être qu'il faisait genre du WordPress ou un truc comme ça. Mais j'avais pas l'impression qu'il connaissait non plus son sujet extrêmement bien. C'est du HTML, donc compliqué. Et ensuite, quand on est arrivé au JS, moi, je me suis dit, ouais, là, il y a un problème, quoi. Donc très vite, je me suis dit qu'il y avait un souci. J'ai vu que ça allait extrêmement vite. Tout le monde était complètement largué. Et là, je me suis dit, bah, en 6 mois, c'est mort, hein, enfin, tout ça. Genre, Ouais, c'est c'est chaud. impossible. Bon, en vrai, Les profs, ouais. je pense qu'il y a, enfin, quand tu arrives dans un bootcamp, je pense, hein, il y a ce piège où tu penses que tu vas tout apprendre. Et la plupart des personnes pensent ça, que je vais démarrer jour 1, on va m'apprendre, alors que le bootcamp, lui, il est là, enfin, ça va trop vite, c'est ouf. Bah, c'est ça, en fait, je me suis. Enfin, genre, très vite, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Si ça se passe comme ça, juste pour du HTML, CSS, Ouais. enfin, là, genre, sur 6 mois, il y a genre 8 technos. Je savais que ça allait être impossible. Et moi, pour le coup, là, ça faisait déjà genre 2 ans que j'étais au chômage. J'avais la formation. Je me suis dit, c'est impossible que je reste genre plus longtemps. Il faut que je trouve un taf à la fin. Genre, absolument. Genre, c'est obligé, obligé, obligé. Je peux pas faire autrement. Du coup, quand j'ai réalisé toute cette mascarade, je me suis dit, mais enfin, que je vais pas pouvoir apprendre moi les technos, plus les gens sont largués, donc on fait que de perdre du temps, plus les profs, ils sont pas tous qualifiés, Ouais, donc on perd encore plus de temps, c'est impossible. c'est ça. Et là, je me suis dit, bah, en fait, au moins, ça me fout un rythme que j'avais pas quand j'étais toute seule au chômage, parce que je suis obligée d'être présente à genre 9 h. Et je suis obligée d'être là jusqu'à 17 h. Donc j'ai un rythme classique de journée travail. Et du coup, j'ai commencé à apprendre toute seule. Et c'est là que j'ai découvert toute la partie plus vraiment front, React, tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai eu genre les cours en mute pendant 5 mois. Enfin non, je venais de temps en temps faire un petit coucou et écouter un peu, mais en gros j'ai pas vraiment. Enfin je suivais de loin, on va dire, mais j'étais pas à fond. À Je fond, faisais les exercices quand il fallait en faire, mais moi je faisais mon truc de mon côté et j'ai bossé sur 5 mois, on va dire, full sur React, parce que je me suis dit c'est ma seule option, faut que je trouve un truc que je sois assez, on va dire, qualifié pour trouver un taf. Et c'est la seule solution pour que je sois embauché après. Bah moi, ça me rappelle ma formation, puisque pareil, hein, c'est, tu vois, tu arrives, tu fais HTML, bon, il y a plein de gens qui sont déjà largués, on fait JS, et après le JS, et moi, c'était fini, hein, je faisais mon truc de mon côté, en plus, j'étais en présentiel, mais on va dire que le formateur, je m'entendais bien avec lui, donc il me laissait au fond faire ma vie, et ouais, c'est pareil, c'est comme ça que j'ai découvert bah, tout ce qui était React et tout, et le conseil que moi, j'aime bien donner aux gens, c'est que
faut pas suivre à 100% le bootcamp, faire toutes les technos, parce que au final, c'est, enfin, t'es même pas spécialisé dans quelque chose, tu fais du JS, tu fais du PHP, à la fin de ça, tu sors, tu sais faire quoi au final? Tu vois, c'est chaud, je trouve. Bah ouais, en fait c'est ça le problème, c'est que à la fin, genre sur le marché du travail, on recherche des personnes qui sont qualifiées, genre soit front, soit back si elles sont débutantes, soit potentiellement des devs full stack, mais alors sûrement pas un débutant. On se retrouve avec beaucoup de devs qui savent faire un tout petit peu de tout, mais rien assez bien pour être vraiment embauché et être vraiment qualifié à un travail. Un CDI, quoi. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'ils savent faire un tout petit peu de tout, mais rien vraiment bien. Ouais. Mais là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc super intéressant, c'est qu'il y a plein de gens, c'est vrai, quand tu finis ce premier bootcamp, parce que celui, moi, je trouve le premier bootcamp, c'est vraiment un filtre, dans le sens où, après ça, tu as plein de gens, malheureusement, qui retournent dans leur job ou qui lâchent le Énormément. dev, parce que, bah, enfin, ils ont vu le truc, on leur a vendu, bah, du rêve, ils pensaient peut-être sortir, être super demandés, tu vois, j'entends beaucoup ça aussi. C'est, ouais, je vais finir mon bootcamp, on va venir marceler sur LinkedIn. qui va venir, tu vois, c'est il y a plein de petits enfin plein de, tous ces petits trucs où les gens ce qui font rêver les gens et je trouve que voilà, maintenant on a Je leur sais pas. rôle de rétablir Ouais. tout ça. J'ai l'impression que maintenant ça s'est un peu calmé en soi. Ça s'est vachement calmé. Mais c'est sûr que à ce moment-là, c'était fou. C'était fou. Et genre, vraiment, moi, je sais pas comment ça se passe dans les autres formations, mais moi, dans ma formation, c'était ce qu'on leur disait. On leur disait, ouais, tu vas finir, tu auras ton boulot, ça embauche énormément. Enfin, ce qui était vrai, hein, mais bon. La formation suffit amplement. Si vous la faites correctement, si vous suivez tous les cours, ça va très bien se passer. On va même vous apprendre à faire un peu petit CV et ça va être trop bien. À la fin, vous allez être embauché et c'est parfait. Bon, déjà, j'avais genre réalisé que c'était un peu la merde avant, mais quand j'ai commencé mes entretiens et que j'ai vu, c'était genre 3-4 entretiens, Ouais. pair programming pour te tester, genre Ouais, quiz, test truc et technique tout. et tout. Je dis, mais waouh, genre. Comment ça? Enfin, en 6 mois, c'est impossible. Mais toi, du coup, excuse-moi. Du coup, toi, 6 mois, ça t'a suffi ou t'as fait autre chose après? Non, moi, 6 mois, ça m'a suffi. J'avais déjà fait pendant 2 ans. Ouais. Voilà. J'avais déjà, enfin, 2 ans tranquillou, un peu à mon rythme, vas-y, un peu de Python, un peu de C. J'ai découvert, on va dire, pendant 2 ans, un rythme hyper light. Et ensuite, pendant du coup 5 6 mois, j'ai genre charbonné nuit et jour sur tous les trucs. En fait, tout ce que je devais savoir pour être. Mon objectif, c'était d'être embauché. Et donc, j'avais genre ma roadmap à moi, hyper précise, genre point par point, tout ce que je devais savoir pour être embauché à la fin. Sur tous les sujets que je devais savoir, qu'est-ce qui pouvait m'apporter des points en entretien, tout, vraiment. Vraiment, j'étais partie à la guerre. Genre, 5 mois, je faisais que ça. Et à la fin, non, j'ai trouvé du boulot et enfin, ça s'est bien passé. J'ai eu plusieurs propositions. Enfin, ça s'est bien passé. Combien d'entretiens t'as Mais. fait? Oh, Beaucoup? waouh! Combien d'entretiens j'ai fait? Ah, des tonnes! Des tonnes, genre vraiment. Je saurais vraiment impossible à dire. J'en ai fait des tas parce que, en fait, j'envoyais, genre, je sais pas moi, 30, 40 CV par jour. Honnêtement, on contactait aussi sur LinkedIn, mais parce que j'avais partagé un portfolio, enfin, vous voyez, j'avais fait des trucs. J'ai dû faire, ouais, je sais pas, une trentaine d'entretiens, peut-être, sachant que les processus passent par plusieurs Plusieurs entretiens avec la même entretiens, ouais. boîte, hein. Donc voilà. Et du coup, enfin, tu as dit tout à l'heure que tu apprenais de ton côté, tu avais commencé à prendre React. Toi, pourquoi tu as ciblé React? C'était par rapport au marché dans ta ville? C'était par rapport à quoi? Non, parce qu'à ce moment-là, c'était le truc qui était le plus demandé en framework front. Je savais déjà que je voulais faire du front. Bah, pour tout ce qui était créatif et tout, j'aimais bien le design, j'aimais bien l'UX, j'aimais bien tous ces trucs-là. Donc pour moi, c'était sûr que je voulais faire ça. Et puis honnêtement, j'avais juste pas le temps pour apprendre les deux. Peut-être que j'aurais fait du bac aussi, mais là, c'était pas possible. Je devais bien choisir quelque chose. Et j'avais déjà commencé JS, je me suis dit, bah, vas-y.
Et React, c'était juste la techno la plus demandée à ce moment-là. Donc, Ouais, c'est vrai que dans cette période-là, React, c'était une dinguerie. Quand tu savais faire du ouais. React, les gens, ils étaient là, waouh! C'était pas Ouais, comme, non, enfin, c'était vraiment très demandé. aujourd'hui, Mais après, c'est... si tu connais bien un framework, les autres, Oui, voilà, après, tu changes c'est pas ça. facilement. Hein. Non. Ouais, mais c'est vrai que, ouais, à ce temps-là, React, c'était un truc de fou. Quand tu savais faire ça, les gens te regardaient avec des gros yeux. Ouais, c'était pas mal à ce moment-là. Après, encore aujourd'hui, hein, c'est pas mal utilisé, c'est Ouais, un bon après maintenant c'est framework. plus, on va dire, démocratisé. T'as enfin, Ouais. Vue.js, Svelte et tout qui font des trucs pas mal maintenant. Mais ouais, mais vraiment, 4 ans en arrière, React c'était trop fou. Ouais, Moi c'est j'ai vrai. pareil, j'ai choisi React parce que je regardais les offres d'emploi, je voyais React partout. Je me suis dit non, c'est bon, je vais me positionner sur ce truc-là. Parce que moi de base je faisais du PHP, Symfony. Donc j'ai lâché ça, j'ai dit c'est bon, je vais plus faire de PHP, laissez-moi tranquille, on va aller où il y a de la demande et bah, grâce à ça j'ai pu trouver après. Oui, c'est vrai que ça recrutait pas mal à ce moment-là pour tous ces technos-là. Et du coup, Mais la boîte là qui t'a prise, entretien technique, tout ça, ou on va dire processus assez tranquille? Non, la boîte où je suis embauchée, c'était processus plutôt tranquille. Mais après, je suis passée partout. Hein. J'ai eu tellement d'entretiens que pour le coup, j'ai tout fait. J'ai fait des entretiens, j'ai fait de tout. J'ai fait des trucs, des entretiens un peu fous, avec de la pression de malade, des tests techniques de toutes sortes. J'ai tout fait. La boîte où je suis actuellement, je crois que j'ai pas eu de test technique. Je suis presque sûre que j'ai pas eu de test technique. Mais toutes les autres aussi. Ouais, voilà. Après, je crois que c'était un truc où je me souviens, j'étais arrivée à l'entretien physique, c'était le dernier, et on m'avait quand même demandé genre, de présenter mes projets, d'expliquer un peu mon code, des trucs comme ça. Ouais, Wow. ça compte Après, quand ça va quand c'est tes trucs à toi, même. voilà, t'es pas trop, c'est moins stressant que un test qu'on t'a préparé, on te cuisine dessus, c'est chaud. Ouais. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore, ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, il y avait énormément d'entretiens sur tous les tests techniques, surtout les ESN, ça se faisait sur je sais plus c'est quoi le site, mais en gros, ils proposent des sortes de quiz. Ah, coding Coding game, game, ouais. ouais, c'est ça, mais pas la partie de jeu, mais plus la partie de quiz qu'ils font pour les entreprises. C'est la partie pro. Et ça, j'en avais énormément, j'en avais fait genre moins 10. Ouais, les quiz, ouais. Pareil, j'ai eu beaucoup de quiz, hein. Ça se fait beaucoup, hein. Même ici en Suède, j'ai eu plein d'entretiens comme ça où on fait. Bah, je pense que c'est un filtre, hein. C'est que t'as moins de, je sais pas, moins de 10, on va dire, c'est bon, t'es éliminé, et sinon tu passes l'autre step. Ouais, mais ça demande vachement. Moi, je trouve que ça demande de la préparation. Genre, je sais que Ouais. les premiers. Le premier, j'avais vraiment foiré. Je sais plus j'avais combien, mais c'était un score vraiment de merde parce que j'étais stressée. Enfin, je découvrais, je savais pas comment ça marchait et tout. Et pour le coup, je sais pas, quand c'était le dixième, bah, ça allait très très bien. Genre, dans les premiers candidats, j'étais là, waouh. Mais en fait, c'est juste d'entraînement en Ouais. vrai. Genre, si on présentait ça aux gens avant, je pense que tout le monde aurait des scores un peu pas mal. De toute façon, après, quand tu fais plein d'entretiens, en vrai, c'est le même processus. Après, c'est bon, tu l'as imprimé, tu Et oui, répètes. Et clairement, ouais. du coup, tu as des petits conseils, toi, pour les entretiens, tout ça, vu que tu en as passé plus d'une trentaine. Alors, ça fait un moment, mais ouais, tout ce qui est test technique, en vrai, faut juste être genre un peu concentré. Évidemment qu'on peut chercher les réponses sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas ChatGPT et tout, Ouais. mais maintenant. Allez-y, c'est open bar, franchement, faut pas s'inquiéter. Tout ce qui est entretien, test technique, dans tous les cas, faut juste pas stresser et être honnête quand vous savez pas quelque chose, ça va se Ouais. passer. Et pour le reste, faut s'entraîner en vrai, devant un miroir ou un truc, ou devant un pote ou n'importe, enfin, même s'enregistrer. Je me souviens, je m'enregistrais genre à ma webcam et je réécoutais mon discours pour voir ce que ça donnait. Faut juste s'entraîner et avoir. S'adapter à la boîte, savoir des choses sur l'entreprise, faire ses vérifs avant, apprendre, genre vraiment tout checker sur leur site, préparer des questions à l'avance, des questions à leur poser pertinentes, des choses qui ne sont pas écrites en gros sur leur truc, quoi. Ouais.
et un peu s'adapter à l'entreprise. Alors, je ne vais pas mentir complètement, mais s'adapter si on va vers une start-up ou si on va vers une grosse, grosse boîte, pas forcément donner, je sais pas, les mêmes qualités, ou etc. Enfin, juste un peu s'adapter à qui on a en face. Mais ouais, c'est important, tu dis, ouais, connaître un peu le truc sur. Enfin, connaître un peu l'histoire de l'entreprise ou quoi, parce que un jour, je suis arrivé en entretien, et tu vois, des fois, le recruteur te demande, alors, qu'est-ce que tu sais de nous? Et toi, tu es là, bah, rien. Bah ouais, Ça j'ai peut être juste une chaud. photo sur Ça peut voilà. être chaud. Et ouais, donc, Non, du non, coup. non, c'est renseigné, hein, c'est sûr, il faut se renseigner. Et pareil, les questions des gens se répètent tout le temps. Moi, donc, à un moment, je sais pas, je suis arrivée dans mon 5-6e, c'était tout le temps les mêmes questions. Noter des réponses pertinentes, les préparer à l'avance et essayer de les sortir de façon bien confiante, quoi. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui est... Enfin, même si tu es stressé, il faut toujours essayer d'être souriant et paraître confiant. Parce que Ouais. ça, tu vois, l'attitude aussi, ça joue beaucoup, hein. À l'attitude, ça joue énormément. Vraiment, hein. C'était, je pense, il y a plein de trucs qu'on fait pas. J'ai passé par un entretien et j'ai réussi juste pour ça, parce que j'avais bien préparé mon truc et que j'avais une attitude vraiment comme si j'étais extrêmement à l'aise. Et voilà. Ouais. Donc il y avait. Et aussi, je conseille de vraiment miser sur des trucs un peu, on va dire. J'en parle dans certains articles, mais juste d'apprendre des trucs en dehors de juste du code. Genre si on me dit, ouais, comme, pourquoi enfin, tu fais du front, mais parce que tu t'intéresses, bah, je sais pas, à l'UX, tu t'intéresses à l'accessibilité dans le code. Toi, je sais pas, ce que t'aimes, c'est vraiment faire du clean code et c'est ça ton truc et tu t'es renseigné dessus. Avoir des trucs un peu en dehors, on va dire, du code pur, sur lesquels tu peux un peu miser pour juste gratter des points en plus, alors que juste fais, bah, voilà, je fais du JS. C'est un peu triste. Et du coup, tu vois l'entreprise qui t'a embauché, c'est quoi? Tu as commencé télétravail directement suite au Covid ou c'est plus sur poste? Enfin, sur Non, Stitch? j'étais tout de suite là-bas. Après, là, on a, enfin, on a toujours eu 2 jours de présentiel, 3 jours de télétravail. C'est ce que j'ai actuellement aussi. Ça a toujours été comme ça. Je sais qu'au début, je ne les prenais pas du tout, mes jours de télétravail, parce que j'avais un peu peur. Mais voilà, mais après, mais j'aurais pu, en vrai, il y a plein de gens qui commencent maintenant, qui les prennent directement. Et ça, je t'ai même pas demandé, c'est quoi comme type d'entreprise? Pas sans donner le nom, c'est un gros truc, start-up. C'est une grande start-up, on va dire, presque Ouais. plus une start-up, une grande start-up. Voilà. Ok, bah ça va. Enfin, tu fais, on va dire, une trentaine d'entretiens. Bon, c'est beaucoup pour t'entraîner. Et après, tu as cette entreprise qui t'appelle. Genre, enfin, Ouais. j'imagine la réaction, elle doit être ouf quand on t'appelle le premier poste après Ouais, 6 mois de j'étais trop formation. contente. En fait, en gros, il y avait bah, une ESN qui m'avait proposé un poste. Et bah, j'avais entendu tellement de mal sur tout ça. Et en plus, je me disais, mais enfin, j'avais entendu énormément de mal sur les ESN. Et je me disais, bah, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais c'était les premiers à me proposer quelque chose. Ça faisait que 2 semaines en vrai que je cherchais. C'était hyper intense, Ouais. mais ça faisait que 2 semaines que je cherchais. Ok, bah ça va quand même. 2 semaines, enfin, Ouais. plein d'entretiens, mais deux Et, semaines de recherche. oui, 2 semaines de recherche, plus d'entretien. Mais en fait, j'étais tellement stressée. C'était vraiment genre la période la plus stressante de ma vie, je pense. Genre, j'en pouvais plus. Je faisais genre 4 entretiens par jour. J'étais épuisée. Genre, mentalement, c'était fou. Je voulais juste en finir. Genre, je devais le plus vite possible. Genre, maintenant, avec du recul, j'aurais sûrement dû prendre le temps Ouais. de. J'aurais pu trouver peut-être encore mieux et encore plus intéressant et tout. Mais à ce moment-là, j'étais, bah non, enfin, vraiment que je trouve le premier truc, c'est bon. Donc cette entreprise me contacte, ils me proposent un poste, ils me disent de venir signer, genre 2 jours après, peut-être lundi matin, le contrat. Je dis, ok, pas de souci. Et ensuite, donc cette boîte-là, ma boîte actuelle, donc me contacte et ils me disent de venir pour un dernier entretien, genre le lundi matin, pareil. Et que ça allait être juste. Enfin, c'était limite, j'allais signer le contrat sur place. Donc, ouais, j'étais très très contente parce que j'avais au moins un truc un peu sûr déjà. Et t'arrives une équipe de combien de devs tout ça? À l'époque, il y avait. Alors, il y avait un, deux, trois devs et deux en. Enfin, un alternant, une stagiaire.
et 3 devs. Oh, ça va, petite équipe pour t'adapter tranquillement. T'as pu rentrer, on va dire, assez facilement dans le projet. C'est pas. Oui. Il y avait donc mon manager, mon ancien manager qui faisait du front et du back. Il était plus spécialisé dans le back, mais il avait fait pratiquement tout le front de la boîte quand même. Et après, il y avait un dev, deux devs PHP. Et donc l'alternant, la stagiaire, je crois qu'il faisait beaucoup de PHP. Je ne sais pas s'il faisait beaucoup de front, peut-être juste pour dépanner, mais je ne crois pas. Et après, enfin, j'aime bien me poser ces questions sans donner le salaire niveau. C'était dans tes dans ce que tu attendais ou non, c'était enfin, t'as pas pu négocier, t'as rien pu dire sur le salaire. J'ai demandé extrêmement bas. Ouais. J'ai demandé extrêmement bas, hein, genre, enfin extrêmement bas. Je me rendais pas compte de comment c'était le marché, j'ai demandé bas, on va dire. J'étais incapable de négocier parce que j'étais très très stressée. Enfin, même aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de négocier, mais alors à l'époque, c'était vraiment impossible. J'ai quand même essayé. Parce que du coup, l'autre ESN, je leur ai dit, désolé, en fait, je vais voir une autre entreprise. Ils m'ont dit, mais on peut augmenter le salaire. Je me suis dit, peut-être. Du coup, j'ai recontacté la boîte où je suis actuellement. Je leur ai dit, bon, ok, mais je vais négocier un peu. Ils m'ont vraiment, genre, proposé, je sais pas, genre 1000 euros de plus. Je vais, ok. Ça s'est arrêté à là. J'ai vraiment pas cherché plus loin parce que c'était trop stressant pour moi, c'était pas Ouais, mais possible. après, c'est un exercice à part entière, vraiment, de négocier le salaire. Hein. Pareil, moi aussi, premier poste, enfin. J'ai pu négocier, mais genre, moi, dans ma tête, je partais, je sais pas, avec... je me suis dit, là, je viens de finir une formation, peut-être qu'on va me prendre pour 24K, je vais pas demander Ouais. plus, parce que, en fait, tu te dis que dans ton ancien job, tu faisais tant, là, t'es un peu mieux, mais ouais, avec du recul, tu vois qu'en vrai, allez, demande, si t'as envie, tu demandes. Et je me En suis vrai, dit, oui. ouais, pareil, bah, en arrivant en Suède, je me suis dit, bon, je vais demander, et on voit si ça passe, ça passe pas, hein. Et bah maintenant, c'est, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entretien, mais si j'ai un entretien, c'est, je me gênerai plus. Mais non, en vrai, faut pas se gêner. Les gens, ils vont pas être. Enfin, au pire, ils vont se dire, ah, il est un peu Ouais. culotté. Et ils vont négocier avec toi. Ils vont dire, bah non, redescends un petit peu. On peut accepter ça ou ça. Mais personne va être genre offusqué. Mais comment Ouais. osent-ils demander autant? Personne va faire ça. Hein. Tout le monde négocie. Vraiment. Et c'est les personnes qui négocient, ce sont eux qui sont le plus gagnants à la fin. C'est ça. Même si t'as pas forcément toutes les compétences, ni l'expérience, ni rien du tout. Carrément, c'est même un peu gage de que toi tu t'estimes en tant qu'employé, quoi. Après, on a aussi ce petit truc en France où, tu vois, parler d'argent, des fois, c'est un peu tabou. Donc, je pense que ça bloque beaucoup de personnes directement, juste bah, cette phase-là, c'est juste, oh, je ne vais pas parler d'argent. Alors que Oui. bah, c'est ton quotidien, tu vois. C'est ce qui va te permettre Bien de sûr. payer tes factures, de vivre et tout. Donc, si tu as envie de demander, tente. Moi, c'était fou, mais genre vraiment, je demandais rien. Genre, j'avais passé, je sais pas, parfois, je passais genre 3 entretiens avec une entreprise sans savoir le salaire qu'ils allaient me proposer. Genre, je leur demandais pas avant que eux, ils me disent, du coup, le salaire. Et là, je commençais à dire, ah oui, combien et tout. Mais ouais, je demandais extrêmement bas, donc forcément, eux aussi, ils plaçaient la barre un peu bas. Ils n'allaient pas me proposer beaucoup plus. Et en plus, le souci qu'on a à la fin, c'est que derrière, si vous commencez très très bas, il n'y a aucune boîte qui sera en mesure, et c'est pas de leur faute, hein, mais aucune boîte sera en mesure de vous augmenter de, je sais pas, 10 000 euros juste pour vous mettre dans la moyenne du marché, hein. Genre, personne ne le fera. Vous serez obligé de changer d'entreprise. Ouais, de toute façon, la plupart des augmentations, ça se fait comme ça. Tu es obligé de sauter, on va dire, de boîte en boîte pour gagner un peu. Ouais, c'est ça, sauf que enfin, si tu commences à un salaire déjà, on va dire, même dans la moyenne, en fait, au fur et à mesure des années, tu peux rester dans la même boîte. Il y a des devs qui restent. Enfin, dans ma boîte, typiquement, il y a des devs qui sont restés très très longtemps et qui ont demandé des augmentations régulièrement, et tout va bien. Tout va bien, mais si tu commences très très bas, ce Ouais. sera impossible. Enfin, comment tu veux négocier après 15 000 euros? Genre, comment? Enfin, c'est juste impossible. Donc ouais, de pas demander vraiment trop trop bas. Regardez juste le marché actuellement, il est à combien. Et c'est sûr que si on est dans une phase où il y a peu d'emplois comme actuellement, et qu'en plus on sort d'un bootcamp, alors faut miser un peu plus bas. Mais restez quand même dans le. Dans le Voilà. correct.
Dans le correct, pas abusé non plus. Et du coup, quand t'es arrivé à tous tes entretiens, t'avais des projets perso, toi, ou non, c'était que des projets, on va dire, d'école? Ah non, j'avais énormément de projets perso. Moi, j'avais, bah, comme je t'ai dit, j'ai bossé non-stop pendant genre 5 mois. Tout mon truc, et je bossais que sur du React. Donc, j'avais fait le plus de projets possible. Enfin, je voulais avoir des trucs à présenter en entretien. J'avais fait pas mal de projets juste toute seule. J'avais un portfolio que j'avais beaucoup bossé. Oh, on l'a perdu. Petit problème de connexion, je pense. Bon, attendant, je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Salut Mans, tu as principalement un entourage de développeurs. Il nous faudrait des experts cloud, DevOps, cybersécurité. C'est prévu de ramener d'autres personnes. C'est prévu. La semaine prochaine, je vais ramener Solène qui est admin 6. Et après, je vais essayer de temps en temps de prendre d'autres profils. Donc ne vous inquiétez pas. Bah après, c'est un peu compliqué de poser des questions bien pertinentes, mais je vais cook ça. Que pensez-vous de l'école 42? Est-ce que vous. Enfin, il y a des gens de l'école 42 dans le chat ou des personnes qui. Moi, j'ai des bons retours. J'ai des bons retours, mais voilà, je connais pas plus que ça. Franchement, j'ai des bons échos, on va dire, mais je connais pas plus que ça. Attendez 3-2 secondes, je vais voir si Olivia est revenue. Encore de connexion, peut-être. Vous avez des exemples de. Ouais, j'avais posté mon portfolio qui m'avait permis de trouver mon premier job avec les projets d'époque. J'avais des projets dedans, c'était comment ça s'appelle? Beaucoup, enfin je jouais beaucoup avec tout ce qui était API, parce que on va dire c'est un peu la tâche d'un front-end de récupérer des datas, des affichés, tout ça. Donc ouais, j'avais beaucoup de projets comme ça, un espèce d'e-commerce et tout. Yes, t'es revenu. Oui, désolée. Non, y a pas de souci. Oui, je sais plus ce que je disais. Je parlais de mes projets, je crois. Ben ouais, là, dans le chat, en plus, il y a une personne qui demande est-ce que tu as des bons exemples de projets à React à montrer en entretien? J'étais en train de parler un peu de ça. Alors, franchement, à l'époque, je sais plus ce que j'ai fait exactement. Ce que je recommande à chaque fois, de toute façon, c'est déjà portfolio, c'est pour moi le projet numéro 1. C'est pas un truc à part qu'on fait à l'arrache, c'est vraiment primordial. La plupart des gens vont même pas regarder vos autres projets. Si le portfolio il est bien fait, ça va amplement suffire à une candidature. Donc trop important, et faut pas se gêner à rajouter des petits trucs. Genre, je sais pas, moi, bah, typiquement, moi, je cherchais en front, donc c'est sûr que c'est plus simple pour portfolio. Mais du coup, bah, faut s'amuser un peu le truc, faire un design un peu sympa. Faire des moi je sais, j'ai fait, je sais pas, des animations, des fonctionnalités un peu cool, genre qu'on puisse envoyer un message directement sur ton portfolio, enfin des trucs un peu bateaux, mais en fait ça, enfin tout de suite ça montre que tu sais faire des trucs sans qu'on ait à forcément regarder tes projets. Ouais. Ensuite, pour les projets, pas forcément aller sur des trucs très 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 longs. Je pense que c'est un gros défaut que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils vont se lancer dans un truc gigantesque, genre je vais refaire le site de Netflix typiquement, ou je vais refaire Instagram, ou je vais refaire je ne sais quoi. C'est pas souvent Airbnb par exemple, c'est un truc Ouais, c'est le qu'on voit classique. souvent, c'est pas la peine. Enfin, jamais quelqu'un va checker tout un site sur, je sais pas moi, 6 pages que vous avez fait, qui en plus c'est uniquement un projet quoi, donc là vous n'allez jamais l'utiliser. Donc plutôt miser sur des petits projets où vous montrez des compétences précises. Voilà, faire des projets différents avec des compétences. De toute façon, c'est tout le temps la même chose en vrai, hein. Faites un projet où vous, je sais pas, vous connectez à une API et vous affichez je ne sais quoi. Faites un projet, une to-do list, mais je sais pas, revisitez là d'une façon que ce soit un peu plus sympa qu'une to-do list classique. Faites un projet ou faites un jeu de je ne sais quoi, et comme ça vous montrez que vous savez ce que c'est l'algorithmie, et voilà, ça Ouais, devrait suffire. c'est ça. Moi, enfin, déjà, ouais, pareil, je conseille le portfolio.
C'est vrai qu'il y a une personne dans le chat qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de features. Enfin, il n'y a pas beaucoup de features, certes, mais déjà, c'est on va dire ton identité. On voit que tu as bossé, tu as un truc déjà, tu as une petite présence en ligne. Tu rajoutes que ouais, deux, trois projets avec des API. Pas un truc de fou, mais tu vois, tu le fais bien. Par exemple, je sais C'est pas, ça. tu vois, l'API Movie, tu fais un truc vraiment bien propre, responsive, tu vois, les bases, quoi. On ne peut Mais oui, pas mais partir sur une dinguerie. déjà, honnêtement, sur les portfolios, alors ouais, à première vue comme ça, il n'y a pas beaucoup de features, mais on peut en Ça ajouter prend du autant qu'on temps, veut. ouais. Hein. Je sais pas, moi j'ai rajouté, genre, enfin, c'est des trucs à la con, en vrai, on n'y pense pas forcément, mais je sais pas, juste rajouter, je sais, j'avais essayé de rajouter, genre, l'API Spotify, tu mets, genre, ouais, quand je code, j'écoute cette musique. Ah, et c'est des trucs, en vrai, c'est des trucs un peu à la con, mais c'est quand même sympa. Et ensuite pour les projets, bah c'est pareil, en fait s'adapter à ce qu'on cherche comme boulot, c'est important je pense. Si vous cherchez un boulot en front, alors soignez votre UX. Alors vous n'êtes pas, parce que beaucoup de gens sont là, ouais mais moi je suis pas designer, ouais, mais en attendant, le marché du travail fait qu'aujourd'hui il va avoir des compétences un peu plus larges que ça. Alors ouais, faites un peu des trucs, juste un UX sympa, un design vraiment cool, un truc qui change un peu. Vous pouvez vous inspirer de plein de sites. Enfin, je sais pas, moi je sais que j'avais fait un projet, genre si j'avais fait un site qui vendait du café. Mais c'est pareil, déjà c'est un truc qui change un peu, genre c'est pas pareil, c'est pas un clone de Netflix ou un truc qu'on a vu 40 fois. Et j'avais soigné le design quoi. Ouais, mais il y a une personne dans le chat qui dit ça, c'est que les meilleurs projets, c'est un truc qui répond à tes besoins. Et c'est vrai que pas toujours faire le classique, le Netflix, Bien sûr. et pas forcément inventer un concept non plus. Mais je pense, je sais pas, moi par exemple, j'aime beaucoup le foot et j'avais bossé sur un truc avec une API football, un classement de foot, les meilleurs buteurs et tout. Je me suis Ah. tellement amusé dessus, et voilà, ça c'est le projet que je montrais en numéro 1. Je sais que voilà, c'est un truc que je peux C'est l'utiliser vraiment. moi-même si je veux. Mais oui, c'est pareil, c'est un conseil que je donne hyper souvent. Moi, je sais que je l'avais. Enfin, peut-être que j'avais un. Je sais plus, franchement, j'ai plus tous mes projets en tête. Mais en tout cas, j'avais pas fait de gros projets sur un truc comme ça. Mais en entretien, on va demander pourquoi vous avez fait ce projet-là. Si vous dites pas parce que j'ai vu une vidéo YouTube où il y avait un mec qui faisait, c'est pas une bonne réponse. Genre. Vraiment, faut qu'il y ait un sens. Genre, parce que je sais pas, t'as fait. En fait, toutes les fonctionnalités sont réadaptables Ouais. à plein de concepts différents. Au final, c'est toujours à peu près la même chose. Faut juste l'adapter à votre personne et à ce que vous aimez vous, pour ensuite pouvoir l'expliquer en entretien et dire, bah, je sais pas, moi, ma passion, c'est les kayaks. Alors, j'ai fait un site où je présente des kayaks d'une façon où. Enfin, comme Airbnb par exemple, ou comme n'importe quel autre sujet aurait pu le faire, mais vous, c'est par rapport à votre passion et ce serait déjà beaucoup plus intéressant, quoi. Mais d'ailleurs, en plus, en parlant de projet, moi, c'est comme ça que Avocado Growth, il est né. Enfin, avant, ça s'appelait Mentor Moi. Et c'était un projet où, à la base, je faisais un tuto en Vue.js. Et le mec, je sais plus, il faisait quoi? Il faisait une liste de personnes et tout. Mais je me suis dit, bah, ça peut être pas mal de. Enfin, au lieu de juste de recopier bêtement, tu vois, le tuto, je regarde comment il fait et je le réadapte à ma manière. Je fais un truc de mentorat où, voilà, des gens s'inscrivent, ils se mettent en tant que mentor. D'autres personnes peuvent les contacter sur les réseaux. J'ai fait ça, bam, enfin, je trouve mon alternance, bah, c'est le projet que je monte parce que dessus, j'ai déjà, je sais pas, j'ai peut-être une j'ai déjà 20 mentors à peu près, 100 personnes qui utilisent le site. Et voilà, le recruteur, il voit que c'est un truc, que enfin, Mais j'ai des utilisateurs, il y a du trafic et tout. Et voilà, de fil en aiguille, ça a toujours été le projet. Bah, je dis, ah, bah, je viens avec, je me la pète, je dis, ah, regarde, j'ai des utilisateurs et tout. Et ça passe à chaque fois. Donc, ouais, pas besoin de forcément chercher un truc. En plus, si tu regardais vraiment le code en détail, il était nul. Tu vois, le code était super mal foutu, mais le truc qui tournait était responsive. Voilà, et voilà, je pouvais, voilà, on va dire montrer ça à quelqu'un. ouais, non, faut juste en vrai, il y a plein d'idées de projets qui sont très très bien. Hein. Juste essayer de l'adapter à vous, quoi. Et juste être capable de parler du projet ensuite. Si en fait vous avez une idée de projet ou un truc que vous avez envie de faire et que vous savez que vous êtes incapable d'en parler pendant genre 5 minutes, c'est qu'il y a un souci. C'est que voilà. Donc, juste être capable d'avoir un projet qui vous ressemble un peu. Un autre truc que je recommande tout le temps, c'est de surtout si vous êtes en bootcamp, c'est de faire un projet. En équipe avec d'autres gens,
Alors, moi, j'ai eu la chance d'être contactée sur, je crois que c'était sur LinkedIn, par, alors c'était pas une entreprise, mais c'était une personne qui cherchait à monter sa boîte et qui, du coup, n'avait pas encore les fonds pour vraiment embaucher des développeurs professionnels. Donc, c'était tourné vers des étudiants de formation ou autres, des devs, des personnes qui souhaitaient devenir designer, enfin, tous les métiers un peu du web comme ça. Des chargés de projet en formation, etc. Et du coup, on a fait un site. Donc, je crois que ça existe. Alors, le site n'existe peut-être, je sais pas, parce que c'est, enfin, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, c'était un back-office, donc c'est pas visible. Mais en gros, c'était une application qui permettait de mettre en relation des utilisateurs et des associations plutôt axées sur tout ce qui est santé mentale. Et en gros, j'avais fait le back-office. Et c'est ça le truc qui m'a vraiment ramené beaucoup d'entretiens et beaucoup de succès d'entretien. C'était ce truc-là. Parce que bah, déjà, en vrai, on peut dire que c'est une expérience professionnelle, d'une certaine façon. J'ai travaillé avec d'autres métiers du web. J'ai fait des réunions, des trucs professionnels, en fait, alors que j'étais encore étudiante. Même si ça s'appuie sur aucun contrat, tu vois. Et surtout, j'ai fait un gros gros projet parce que bah, là, il y avait une messagerie, il y avait, enfin, en gros, les personnes pouvaient modifier leur profil, se connecter, se déconnecter, avoir des paramètres, une FAQ, une messagerie, enfin, un blog, enfin, bon, Ouais, tout tout un plein de... écosystème bien, enfin, Ouais. bien complet, quoi. Ouais, et sur ça, j'ai vraiment bossé genre 5 mois, quoi. C'était un gros 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 projet. Dire que ouais, c'était avec d'autres gens et que c'était bah, limite une première expérience professionnelle, ça c'était vraiment, ça m'a rapporté pas mal de. Enfin, ça m'a vraiment facilité les choses d'entretien, c'est sûr. Ouais, de toute façon, enfin, en général, quand on voit que t'as bossé avec des gens, t'as utilisé Git et tout, tous ces trucs-là, ça, voilà, ça apporte de la valeur. Et là, du coup, ça fait combien de temps que t'es en poste, là? Bah là, ça fait 1 an et demi. Je Un an et crois, demi. à peu Est-ce que près. tu vois une différence, on va dire, sur, enfin, par exemple, sur LinkedIn, avec tes débuts, t'as des recruteurs qui viennent te contacter ou non, tu vois rien qui bouge? Après, je pense qu'on est un peu sur un moment où il n'y a pas énormément de recherches. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui ont du mal à trouver du travail en ce moment, dans tous les domaines, mais dont le dev. Le marché du travail en France, là, il n'est pas au top, je crois. En tout cas, on contacte beaucoup moins qu'avant. Je sais que vraiment, avant, on contactait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, beaucoup moins, ça m'arrive. Après, je suis beaucoup moins sur LinkedIn qu'avant aussi. Peut-être pour ça aussi. Enfin, ça m'arrive, en vrai, on contacte peut-être, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, parfois une fois par semaine, on contacte. Mais moins qu'avant, où c'était vraiment le... On cherchait énormément de dev à ce moment-là, donc... Et du coup, toi, tu penses quoi, toi, de l'importance des réseaux pour un dev, réseaux sociaux? Bah, ça dépend, mais LinkedIn pour moi c'était indispensable. Enfin, c'était vraiment. Enfin, faut vraiment faut se différencier un peu, hein. Je pense que tout le monde se rend bien compte qu'il y a beaucoup de personnes, alors qui sont pas forcément devs, mais qui passent par les formations, donc qui finiront en entretien. On est nombreux, faut se démarquer, comme dans tous les métiers en vrai, faut juste se démarquer et c'est un métier du web, donc faut être présent sur le web. Je dis pas d'avoir tous les réseaux du monde et devenir un influenceur ou je ne sais quoi, mais juste LinkedIn, je pense que ça maintenant, mais dans tous les métiers, hein, c'est indispensable. À part si vous avez vraiment un métier, genre un commerce ou quoi, donc bon, mais physique, je veux dire, mais sinon, LinkedIn, c'est super important. Et je dis pas pareil de genre mettre des posts et raconter sa vie sur C'est LinkedIn. ça. Alors, ouais, ouais, no pain, no gain. Ouais, j'ai trouvé du travail en 3 secondes parce que j'ai fait cette technique incroyable. Je dis pas de faire genre, des posts de motivation sur LinkedIn ou faire plein plein de choses, mais Poster des juste. selfies. Mais non, voilà, donc non, pas forcément. Juste rajouter un maximum de personnes. Vraiment, moi j'ai tapé genre recruteur. Genre recruteur tech et j'ai rajouté tous les gens et là j'ai genre je sais pas genre 2000 personnes même plus genre sur LinkedIn je connais personne hein. Faut pas se gêner à rajouter des gens qu'on connaît pas, tout le monde le fait surtout sur LinkedIn
Et ensuite, genre, je likais des publications. Je me suis mis sur Open for Work et juste remplir son profil. Genre, mettre une photo, mettre un fond, et mettre genre les technos sur lesquels tu bosses, une mini description. Et ça suffit amplement. Genre, moi, j'ai jamais eu besoin de plus en tout cas. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une personne dans le chat qui dit c'est spécial de publier sur LinkedIn. C'est vrai que quand tu passes, tu vois tous ces selfies, tu vois toutes ces. Tu vois, je sais pas, le mec qui va te parler, je sais pas par exemple de dev, mais il va être obligé de mettre sa tête. Tu vois, en Ouais. fait, des fois tu scrolles, t'as l'impression que t'es plus sur Instagram que sur LinkedIn. Mais en vrai, faut Oui. pas se prendre la tête avec LinkedIn. Moi, je vais dessus, par exemple, bah, je fais des updates de mes. De mon contenu, on va dire, vidéo Oui. YouTube, podcast ou projet, et enfin, tu essaies de garder, enfin, même pas t'essayer, tu gardes ton identité, quoi. C'est que tu postes ton truc, et fin, je sais que moi, LinkedIn, c'est un endroit où j'ai des contacts, tu vois. Si je sais que par Ouais. exemple, si demain je cherche du boulot, je sais qu'il y a des gens, je peux contacter, c'est plus ça, moi, en fait. C'est je sais que là-bas, j'ai enfin, il y a un petit gain quand même, mais si, tu vois, je scroll une fois Oui, le pareil. matin, ça me rend déjà fou. Je quitte l'appli, il me dit c'est des fous. Normalement, j'y vais genre littéralement jamais, genre peut-être une fois par semaine, ou même moins, genre une fois par mois, je me connecte, je regarde les messages que j'ai et c'est tout, et je réponds genre jamais, franchement, enfin, je réponds rarement. Mais vous n'êtes pas obligé de publier des choses hein, sur LinkedIn. Genre, Ouais, moi, c'est. j'ai jamais fait aucune publication. Au final, j'ai même mon portfolio, je crois au final, je ne l'ai même pas publié. Je crois que je t'ai dit, je me garde encore une semaine d'entretien. Si je trouve pas, là je le ferai parce que je voulais tellement pas. Mais ouais, vous n'êtes pas obligé de passer vos journées dessus. Enfin, juste rajouter des gens au tout début pour vous faire un petit réseau. Surtout que vous partez de rien. Si vous partez de un truc de bootcamp ou quoi, vous partez vraiment de zéro. Donc, faut bien vous faire un mini réseau. Et c'est tout. Et juste avoir un truc un peu soigné parce que quand on va vous prendre un entretien, faut bien mettre ce profil LinkedIn sur son CV. Ou même les gens vont forcément vous chercher dessus. Si vous n'en avez pas, c'est un peu chelou. Si vous en avez un sans photo, sans rien du tout, c'est un peu bizarre aussi. Donc minimum, vraiment juste minimum, genre pas forcément poster tous les jours, mais je pense qu'un minimum c'est important, genre. Après, je trouve Twitter aussi, c'est pas mal comme. Enfin, c'est pas un réseau pro comme LinkedIn, mais genre, je trouve c'est pas mal le niveau connexion. Tu vois, tu as des bonnes connexions aussi, je trouve, sur Twitter. J'ai plein de personnes, tu Ouais. vois, qui m'ont déjà dit, ouais, j'ai trouvé mon job bah, grâce à Twitter. C'est vrai. Un recruteur ou quoi qui traîne là, qui te contacte et tout. Pour ça aussi, sur Twitter, voilà, faut essayer de rester. Ouais. Faut pas poster du n'importe quoi aussi quand vous cherchez. Par exemple, je vois des personnes qui cherchent du job. Qui cherchent un emploi et tu vois leur poste, tu te dis, mais mon gars, tu vois, c'est voilà, c'est à double tranchant quoi. C'est tu peux avoir des bonnes connexions ou sinon tu décides d'utiliser ton Twitter bah, pour faire autre chose quoi. Ouais, c'est clair. Non, après, les deux, enfin, on trouve des choses moins que sur LinkedIn. Ouais. Mais ouais, ça arrive sur Twitter, on peut trouver des choses aussi très intéressantes. Enfin, dans tous les cas, si on se fait des réseaux un peu pro, c'est pour normalement avoir des contacts, etc. Se créer un réseau, quel qu'il soit. Ou après, quelqu'un, enfin Arnold Schwarzenegger qui nous dit Discord, ça peut aider. Ouais, Discord, après, ouais, t'as des communautés et tout. Je suis pas, moi, je suis pas très, on va dire, enfin, je suis pas un habitué de Discord, même si j'essaie d'y aller, mais ouais, Discord, je pense que tu peux avoir des recruteurs ou d'autres personnes, quoi. Ouais, non, pareil, je suis pas au courant. Enfin, je sais qu'il y a des réseaux, enfin, ouais, il y a des Discord qui fonctionnent très bien. J'ai jamais été assez actif dessus pour genre le constater, mais je pense que ça doit bien marcher pour certaines personnes, hein, forcément. Ouais, après, de toute façon, enfin, on parle de LinkedIn, Twitter et tout, mais après, c'est pas des choses, on va dire, obligatoires, hein. C'est que tu Non. peux ne pas l'avoir et trouver ton job. T'as plein de moyens d'avoir d'autres contacts. Mais je Bien trouve sûr. que c'est assez sympa et ça aide aussi bah, à te faire d'autres connexions, quoi. En vrai, ça dépend de la... je pense que ça dépend vraiment de la position que tu as. Si ça fait, je sais pas, genre tu as fait une grande école d'ingénierie, que tu as déjà donc, des contacts de ton école, que tu cherches un boulot, ou alors que tu as déjà de l'expérience en dev, etc. Et que toi, ça te plaît pas, mais très bien, ne cherche pas. Mais par contre, si ça fait, je sais pas, moi, tu as fait un bootcamp de 6 mois, maintenant ça fait 6 mois, tu cherches du boulot, tu es à 2 doigts de retourner dans ton ancien taf. Peut-être mets les chances de ton côté, tu vois. Genre, peut-être ça te fait un peu chier de publier quelque chose, mais est-ce que tu préfères retourner dans ton ancien travail ou publier sur LinkedIn? Tu vois, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, quand on a des situations un peu comme moi j'ai été, hein,
Tu mets juste toutes les chances de ton côté, en fait. Et Après, tu fais pas la fine bouche en disant ouais, mais moi j'aime pas trop rajouter des gens. on vous dit pas de chanter et tout sur LinkedIn. Il y a des gens qui Voilà. chantent et tout pour avoir un poste et tout. Donc, tranquille, mettez juste un poste écrit. Non, mais c'est pas. En vrai, ça dépend de ta situation. Je pense que quand t'es dans une situation un peu, pas, peut-être pas merdique, mais situation difficile, tu Ouais. cherches un boulot depuis longtemps, le marché du dev en ce moment, c'est pas facile. Bah, tu mets toutes les chances de ton côté. C'est, je pense que c'est ça. C'est juste, enfin, pour moi, c'est un peu difficile à entendre quand il y a des gens qui cherchent un boulot depuis genre. Je sais pas, tu me dis, ouais, tu cherches un boulot depuis 6 mois, mais t'as envoyé, je sais pas moi, 3-4 CV ou t'en envoies un par semaine. Ouais, LinkedIn, j'aime pas trop. Twitter, non, c'est compliqué. Des projets, ouais, mais c'est compliqué d'en finir un. Ouais, ok, Ouais, bah. en vrai, enfin, quand tu es dans le premier poste, en vrai, ce que je vois, c'est que tu es obligé de faire des sacrifices quelque part parce que Bien sûr. enfin, ça peut être tellement chaud que tu es obligé de faire un sacrifice quelque part, soit bah, pomper du temps pour faire un projet. Moi, je sais que bah, l'année où je cherchais du job, là, comme ça, enfin, mon premier poste, bah, l'entraînement, par exemple, je fais beaucoup de sport. C'est un truc que bah, tu cuts, tu te dis bah, ce soir, je reste bosser au lieu d'aller au sport. Tu vois, t'es obligé de faire une petite concession quelque part. Bon, après, à la fin, quand tu vois que ça a payé, t'es content. Mais ouais, je pense que Mais t'as oui. des petites concessions comme ça à faire. Ça dépend beaucoup des gens, hein, de toute façon. Genre, moi perso, ça m'a demandé beaucoup de taf. J'ai vraiment, comme j'ai dit, j'ai bossé vraiment du matin au soir. Ce qui est 6 mois, ce qui est pas long dans une vie, en vrai. 6 mois à bosser tout le temps, mais j'ai rien fait d'autre que de bosser, en vrai. Sachant qu'avant, j'avais fait le droit, donc c'était, enfin, ça ne changeait pas énormément non plus. Je restais dans le même mood. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'autant, il y a des gens qui ont besoin de plus. Ça aussi, il ne faut pas forcément avoir honte. Plein de personnes finissent des bootcamps et qui se disent ouais mais merde genre j'ai fait un bootcamp ou alors ça fait genre 3 ans que je suis dedans, je galère toujours, entretien technique ça passe pas, je commence un boulot, ça se passe mal, et il y a des gens, j'ai vu des personnes aussi faire un pauvre bootcamp en commençant de zéro et au bout de 4 mois ils étaient nickel, franchement bien qualifié pour un job. C'est pas une course, ça dépend des gens. Il y en a qui ont besoin de faire plus d'efforts que d'autres. C'est juste comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Après, attends, j'ai une question. Oui, après, enfin, une personne qui dit, la question, c'est de savoir à quel moment aussi il faut, enfin, à un moment, il faut savoir abandonner. Après, je pense que enfin, la plupart des personnes qui se lancent dans ça, bah, elles ont mis toute l'énergie ou toutes leurs attentes dans ça. Et c'est chaud de se dire que bah, je suis déjà parti, j'ai fait 6 mois, tu vois, de lâcher, quoi. C'est vrai qu'à un Oui, moment, oui, il faut mais abandonner ou quoi, mais je pense que c'est difficile. en vrai, c'est clair. Après, je pense que tu abandonnes quand tu as vraiment genre tout essayé. Ouais. C'est quand vraiment tu as tout essayé. Si moi, j'avais bossé pendant ce temps-là, que j'avais fait tous ces trucs d'entretien, que j'avais vraiment galéré et qu'à la fin, je sais pas, au bout d'un an, j'aurais toujours rien trouvé, là, j'aurais abandonné, c'est clair. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en vrai qui abandonnent sans avoir vraiment joué genre toutes leurs cartes. En fait, Et c'est moi, tu vois, quand je suis parti enfin, dans cette reconversion, je me suis dit, là, en gros, à la fin, faut pas que j'aie de regrets. Enfin, si je réussis pas, faut pas que je me dise que, ah, je sais pas, le soir, là, par exemple, au lieu de bosser la dernière fois, enfin, le soir, au lieu de bosser, je faisais ci ou quoi. Tu vois, j'aime pas, moi, on va dire, avoir des regrets. Donc, le truc, je oui. me suis dit, je vais à fond, je donne tout. Et, alors, coûte que coûte, faut que ça passe, quoi. Le premier Mais bootcamp. Je me suis dit alternance après parce que enfin, je me voyais pas bosser, mais ouais, le plan c'était vraiment de tout donner avant de me dire voilà, je passe à autre chose. non, mais c'est ça. Ouais, faut juste faut se fixer une date, ce que je pense à chaque fois. Faut que tu te fixes une date et tu fais tout ce que tu peux, genre littéralement tout ce que tu peux pour trouver le boulot que tu veux. Et en vrai, quand des gens qui étaient vraiment aussi motivés que ça et qui faisaient tout leur possible, c'est rare que vraiment tu réussisses pas. Et si tu réussis pas, c'est souvent le cas, c'est juste des personnes qui ont commencé le métier sans vraiment s'intéresser. Un peu à quoi ça allait ressembler après. Et juste, ils découvraient que le métier leur plaisait pas forcément, que bah, l'algo c'était un peu trop complexe, que bah, ils aimaient pas trop ça. Et c'est là que je comprends qu'on abandonne. Mais bon, ça c'est assez rare et normalement ça se fait assez rapidement.
Et toi là, du coup, enfin, ça fait un an et demi que tu es en poste, c'est quoi, enfin, tu te vois où toi après, c'est continuer du dev, dans le dev, apprendre autre chose, te spécialiser, enfin, peut-être faire du bac. Par la suite, j'ai pas vraiment de trucs hyper précis. Je continue d'apprendre des choses, je continue d'apprendre d'autres frameworks, je continue juste à apprendre d'autres technos en général. Pas forcément partir sur du bac plus tout de suite. J'aimerais plus apprendre tout ce qui est UX, etc. et plus approfondir le front encore plus. Avec toute la partie design et englober un peu ouais, toute la conception front-end en général. C'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Après, pourquoi pas du bac à un moment donné. Je suis pas contre, hein. C'est juste pas ma priorité. Et ouais, voilà. C'est surtout ça. Moi, je suis encore junior, hein. Je continue à apprendre des trucs. Donc juste continuer à apprendre dans mon domaine, quoi. De toute façon, enfin, on va mettre où est-ce que je peux mettre le... Je vais mettre le lien après de ton blog, tout ça, pour qu'on puisse Ouais. te retrouver et ta chaîne Twitch parce que t'es aussi Twitch. Pour l'instant, je fais pas grand-chose. En vrai, j'ai arrêté pas mal de trucs que je faisais sur le blog parce que c'est honnêtement, je ne sais absolument pas comment toi tu fais ou d'autres personnes font pour avoir un boulot, un CDI genre en 35 heures plus et derrière une vie sociale normale, familiale normale et faire juste des side projects en général ou n'importe quoi, genre un blog ou des live Twitch ou quoi que ce soit. J'ai fait ça pendant un moment, c'est impossible. Genre, enfin, c'est pour moi perso, en tout cas. Après, je pense que c'est possible, mais pour moi, c'est intenable. À long terme, c'était intenable. Ouais, non, en fait, Donc. c'est fou. Enfin, tu vois en vrai que une journée, ça passe trop vite. Ça Tu passe trop vois? vite. Il n'y a pas assez de temps. Hein. C'est ça. Si on pouvait Non. juste étendre un petit peu ma journée, je sais pas, rajouter 4-5 heures. Non, mais enfin, peut-être même, enfin, aujourd'hui, j'ai partagé mon planning, comment je m'organise. C'est que je suis obligé de bosser tôt le matin, en fait. Ouais. C'est le seul glitch que j'ai trouvé dans ma vie où je me dis, eh ben, le temps. Enfin, j'ai le temps, c'est ici, le temps que j'ai, c'est ici. Tu vois, c'est avant que les enfants se réveillent, quoi. Après, bah, t'as le boulot, la journée. Et après, enfin, petite parenthèse importante, vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets perso, hein. Moi, je parle de moi, parce que, bah, c'est, on va dire, j'ai du contenu, j'ai des petits trucs, c'est ce que j'ai envie de faire. Il n'y a personne qui m'oblige. J'ai pas de couteau sous la gorge. Mais ouais, voilà, si on n'est pas, faut pas être, enfin, on n'est pas obligé d'avoir un projet perso quand on est dev. Là, je Non. parle juste de mon organisation. Donc ouais, le matin, c'est là que je suis obligé de faire mes trucs. Après, il y a le boulot. Après, il y a la vie de famille. Si j'ai envie d'aller au sport, tu vois, c'est chaud. Il y a trop de choses. Non, c'est compliqué. Moi, c'est sûr que c'est pareil, bosser le matin quand je faisais. Enfin, je fais encore des articles, mais quand j'en faisais plus, en tout cas, je bossais tout le matin. Mais au bout d'un moment, ça empiète forcément sur tout le reste. Enfin, pour moi, perso, j'arrivais pas assez à m'organiser. Ou alors. Je sortais des trucs dont j'étais pas vraiment satisfaite. Et je dis, bah, autant ne pas le faire du tout, en fait, si ça me plaît juste pas. Après, je pense aussi, bah, moi, comme je t'ai dit, je suis junior, je commence, j'ai plein de trucs à apprendre. Je me dis que, quitte à me lever tôt, peut-être que c'est le moment pour bah, ouais, faire d'autres projets, apprendre d'autres technos, faire des choses comme ça, plutôt que le reste. Si j'ai plus de temps plus tard, sûrement que je reviendrai à faire plus d'articles, plus de choses comme ça. Ouais, de toute façon, après, il faut trouver son rythme. Hein. Souvent, on C'est ça. pense qu'il faut être super productif, mais tu vois, un article toutes les 2 semaines, un article par semaine, ça va, c'est tranquille. Oui. Non, bien sûr. Mais ouais, faut prioriser. De toute façon, il y a des prix. Enfin, chacun ses priorités. Ouais, c'est Là, voilà, important. moi, actuellement, c'est pas forcément ça. Moi, le côté qui me plaisait le plus, c'était ce que j'ai découvert avec Avocado Pro, c'était tout le côté mentorat. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé. Le côté vulgarisation du code, etc. Donc, du métier de dev. Donc, ça, je continue encore. Et voilà. Et pour le reste, bah, quand j'ai le temps, je le fais. Et si j'ai pas le temps, tant Ouais, bah t'as raison, de toute façon tout ça c'est du plus, c'est pas un truc obligatoire quoi. Bien sûr. Et dis-moi, enfin, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des petits conseils pour les juniors qui veulent se lancer, qui veulent trouver leur premier job?
Que alors se lancer dans le dev ou trouver Ouais, dans le dev, dans la tech, dans le dev, ouais, plus particulièrement dans le dev, ouais. Ouais, je pense que je donne un peu tout le temps les mêmes conseils en boucle, mais c'est pas grave. Je pense déjà, faites vos recherches avant, ne vous lancez pas comme ça parce que j'ai entendu un mec sur, je sais pas moi, Instagram, comment il est passé de genre sans appris à multimillionnaire grâce au dev et avec une roadmap incroyable. Ça marche pas comme ça. Enfin, renseignez-vous en fait avant de vous lancer dans un bootcamp pendant quoi que ce soit. Faites vos recherches. Regardez les prix des bootcamps, renseignez-vous sur là où vous allez. Enfin, au final, ça se voit un petit peu, mais bon, faites quand même vos recherches et regardez surtout si le métier en soi vous plaît, si l'algo ça vous plaît, si. Enfin, juste ne soyez pas ensuite. Évitez cette phase d'étonnement que beaucoup de gens ont en passant sur du JS ou du PHP. Si vous êtes tout seul, contactez un mentor. C'est pas forcément pour rester avec et enfin il est pas, si ça se passe pas très bien vous n'êtes pas obligé d'être accompagné tout le temps même si ça se passe bien vous n'êtes pas obligé d'être accompagné tout le temps mais avant de vous lancer dans quoi que ce soit contactez une personne qui est déjà dans le métier je pense que c'est une bonne idée juste un entretien tout simple posez-lui des questions voyez par rapport à ses réponses est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous parler est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire et la personne va sûrement vous donner des conseils plus personnalisés par rapport à votre situation. Ça, voyez, est-ce qu'à quel point vous êtes motivé? Est-ce que ça fait longtemps que vous y pensez? Est-ce que ça fait une semaine et que c'est plus un truc sur le moment? Ou est-ce que ça fait, je sais pas, un bon moment que vous vous en renseignez? Et ensuite, pour les personnes qui cherchent un premier boulot, c'est, bah, comme j'ai dit, mettez toutes les chances de votre côté, tout ce que vous pouvez. Faites le meilleur portfolio que vous pouvez faire, quitte à repasser 15 fois dessus. Contactez autant de gens qu'il le faut. Que sans honte et sans gêne, personne ne va vous prendre pour un fou. Contactez, même si vous devez contacter 40 personnes par jour, bah, c'est pas grave, même si vous passez pour un harceleur, c'est rien. Juste, voilà, envoyez des cotisations spontanées à toutes les boîtes du coin. Enfin, faites-en même trop. En fait, il faut se dire que si vous contactez 1000 personnes, il y a au moins une qui va vous dire oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. De toute façon, Donc. tant que tu tentes pas, tu peux pas savoir. C'est ça. Donc, mettez juste toutes les chances de votre côté, plus de projets possibles, plus de trucs possibles, préparation, entretien au max. Voilà, faites trop et au final, ça va bien se passer. Il y a une personne dans le chat qui demande, est-ce que tu sais à quel moment on est prêt à candidater? hyper compliqué, c'est hyper subjectif, je pense, comme question. Quel moment on est prêt? Je pense pas qu'il faut attendre de se sentir prêt, sinon on va attendre très très longtemps. Un entretien test, c'est pas grave, même si vous, enfin pareil, si vous ratez un entretien, c'est pas grave. Hein, il y a personne qui va vous, je sais pas, la personne qui a passé l'entretien va pas vous filmer et le repasser à ses collègues en vous moquant de vous. Il va absolument rien se passer. La personne va sûrement oublier votre nom à la seconde où il va clore l'appel. Donc je vous conseille de tester. Par exemple, vous commencez à finir votre formation, vous dites, ah, peut-être c'est le moment. Ou alors bientôt, je devrais forcément chercher du travail. Bah, passez des entretiens. Même si vous n'êtes pas prêt, passez juste des entretiens avec des gens, envoyez des CV, contactez des personnes. Ouais, juste des trucs comme ça, je pense. Et en vrai, comme je disais, faire un projet, vous pouvez contacter des personnes qui sont dans une situation comme vous. Donc, pas forcément dans votre formation à vous. Mais des personnes qui sont des devs en apprentissage ou des personnes qui lancent leur entreprise et qui cherchent des développeurs. Alors, certes, vous ne serez sûrement pas payé, mais au moins vous aurez quelque chose à présenter en entretien. Je pense que c'est une première expérience assez sympa parce que, bah parce qu'il n'y a pas de contrat entre vous et que c'est beaucoup plus léger comme relation qu'un vrai CDI. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Ouais, mais je pense, comme tu dis, il faut pas attendre d'être prêt vraiment pour tenter, hein. C'est que bah, dès que tu dis ouais, j'aimerais bien être en poste, en vrai, bah, let's go, tente, tu peux. C'est pas. Ouais, bien sûr. Tu finis, dès que tu as fini, en vrai, et que tu as quelque chose à présenter, enfin, c'est sûr, ne pars pas en entretien les mains complètement vides, juste avec ta personne. Mais du moment que tu as, genre, je pense qu'un portfolio et, genre, un projet, postule et pendant ce temps-là, tu fais un autre projet, et comme ça, tu as un portfolio et deux projets, et ainsi de suite. Bah, moi, comme enfin, je donne toujours l'exemple du cas où je postule en Suède, c'est que je postule, mon anglais il est éclaté.
Mais moi, je postule pas dans le sens où j'ai envie de partir maintenant. Je me dis juste, je vais voir comment ça se passe. Et bah, je fais des entretiens et il y a quelqu'un qui me dit, bah, c'est bon, viens. Et voilà, tu vois, c'est que j'étais même pas prêt en vrai. J'étais même pas prêt et j'ai lancé le truc. Donc, ouais, dès que vous avez envie de faire un truc, let's go. En vrai, juste, tu te prépares toi, on va dire toi, prépare ton portfolio, prépare tes petits trucs et tout, Ouais, et va c'est comme t'es sûr. là. C'est sûr, après, il faut se préparer au maximum parce qu'il ne faut pas ensuite. Moi, je sais que j'ai eu des entretiens où j'ai vraiment regretté. Genre, mon premier entretien, c'était la personne qui m'avait contacté et c'était pour une grosse, grosse boîte. C'est genre le premier. Et en plus, ça venait pas de moi, donc j'étais paniquée. Et pendant l'entretien, je l'ai complètement foiré. Évidemment, ils ne m'ont plus jamais contacté. Ils m'ont même pas répondu à mes messages. Mais c'est vraiment en lu pendant des semaines. Enfin, je ne sais pas, harcelé, mais j'aurais bien envoyé 3-4 messages. Ouais, préparez-vous. Enfin, faut pas regretter. Faut pas regretter. Parce que, pareil, même pendant mes entretiens, j'étais tellement fatiguée. J'ai sûrement dû passer à côté d'opportunités assez Ah. sympas. Donc, ouais, préparez-vous. Même si c'est un entretien test, même si le boulot, je sais pas, c'est une ESN, bof. Mais voilà, donnez votre max, max, max à chaque fois. Répondez sur LinkedIn quand les gens vous contactent, peut-être aussi. Ouais, de toute façon, ne vous prenez pas la tête en vrai, et enfin, je pense que ça le fera. En tout cas, c'était super de t'avoir en live, Olivia. Où on va attendre, il faut regarder s'il y a des petites questions avant de partir et dormir pour lundi. Il faut être prêt. Oui. La semaine, elle reprend déjà. Mais en tout cas, non, Ouais. c'était super sympa de t'avoir en live et voilà, c'est Bah, toujours un merci à plaisir. toi d'avoir invité. Merci. Si on a des petites questions, rapidos. Mais ouais, je pense que tu as répondu à plein de trucs là. Je vois dans le chat, on n'a pas de questions. Non, j'ai plus de questions. Mais ouais, Ok. donc ouais, ne vous prenez vraiment pas la tête, comme on a dit. Et un grand merci à bah, tous ceux qui étaient présents sur le live. C'est un plaisir. Non, ça fait plaisir d'avoir des gens sur Twitch parce que enfin, j'ai lancé récemment. Et tu vois, des fois, tu peux lancer un live. Vous êtes 5, 5, 6. Bon, c'est déjà bien, mais voilà, c'est là, tu as de l'échange et tout. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci à Yes. vous. Merci. Je vais streamer quand cette semaine? Je pense mardi. Je vais peut-être streamer. Enfin, je compte streamer mardi soir React Native. Donc, il faut que je trouve une config parce que Expo il fait bugger mon PC. Jeudi à 13h coworking. Donc, je mets la cam, mon travail sans parler. Et dimanche prochain, pareil, c'est 20h parcours tech. Je vais accueillir Solène. Solène, c'est une admin 6. Donc, il faut moi-même que je fasse des recherches sur ce métier. Parce que je sais même pas. Je sais pas ce qu'ils font, ces gens-là. Mais ouais, c'est super en tout cas de découvrir des parcours. Donc, ouais, grand merci à toi, Olivia. Et grand merci au Merci. chat. Et je vous dis, bah, je vous souhaite un bon lundi. Bon lundi. Allez, merci beaucoup.